Amen. 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 Dieu te bénit et te garde. Il rayonne.
chacun. J'aimerais vous accueillir un peu différemment aujourd'hui, si vous regardez la vidéo ce dimanche, de manière un peu épistolaire, un peu comme dans une épître, hein, de la part de l'équipe pastorale à tous les saints, tous les bien-aimés, les frères et sœurs, à l'épouse de Jésus-Christ de la région de Charleroi, et puis peut-être d'autres endroits si vous nous suivez. Que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu, que la joie de Dieu repose sur vous. Souvent, dans les introductions des épîtres, on bâcle un peu les salutations, et pourtant c'est déjà tellement riche. Je voudrais vraiment vous accueillir et demander à Dieu que sa paix, sa joie, sa grâce, sa présence inondent vos cœurs. Et je pense à l'épître aux Éphésiens, où tout de suite l'apôtre Paul rentre dans une doxologie incroyable. Il dit, mais béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénit de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Alors, même s'il n'est pas 20h, vous pouvez sortir de chez vous, vous pouvez applaudir, c'est tellement extraordinaire. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Nous sommes un peuple béni. Et puis, il y a toute cette cascade. Avant la fondation du monde, il nous avait prédestinés, il nous avait élus, il nous avait choisis pour que nous devenions saints et sans défaut, pour qu'on puisse célébrer sa grâce. Il nous a pardonnés, il nous a rachetés, il nous a fait connaître sa volonté. Toute une cascade de bénédictions en Jésus-Christ. Alors, quelle que soit notre situation actuelle, il n'empêche. Par-dessus tout, nous sommes bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. Soyez donc les uns les autres les bienvenus. Sixième dimanche, sans être ensemble, on espère que d'ici peu, on va se fixer rendez-vous pour se retrouver. On continue notre parcours, notre appel à la maturité, à la solidité en Jésus-Christ, cap 25, et nous continuons la question de notre potentiel identitaire. Comme vous, je suis l'actualité, et à chaque journal parlé, télévisé, je suis toujours interpellé par un mot qui revient sans cesse. Alors, c'est pas le corona, mais plutôt l'expression « les experts ». On fait appel à des experts pour les virus, pour les épidémies, pour la santé publique, des experts pour la gestion de la crise, les experts financiers, des experts en tout genre. Et c'est bien que nous puissions gérer cette pandémie avec toute une série d'experts qui peuvent baliser la route et la bonne gestion de ce fléau. Mais chaque fois, je me pose la question, en voyant les invités, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il n'y a que ces experts-là qui pourront vraiment nous aider? Est-ce que ça se résume à cela, l'expertise dont notre société a besoin? Et chaque fois, je me dis, mais on a besoin de plus que cela. On a besoin d'experts spirituels. Et là, je fais référence à vous. Je fais référence à nous, je fais référence à la véritable Église de Jésus-Christ. Je pense à l'apôtre Paul qui disait à Timothée, écoute, si j'ai du retard, tu sauras comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, colonne, pilier de la vérité. Waouh ! Ça veut dire que Paul est conscient qu'il a laissé Timothée, là à Éphèse, avec un peuple qui est appelé à devenir experte au niveau spirituel dans cette région. L'Église n'est pas juste un club spirituel, un club religieux, mais elle est là, nous sommes là, comme colonne et pilier de la vérité. Toujours sous la plume de Paul, toujours aux Éphésiens, il dira que ce qu'il cherche à établir, c'est la stature parfaite du Christ. La stature experte, suffisante du Christ en nous. Jésus n'avait pas peur de dire à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. C'est vous les experts du goût. Vous êtes la lumière du monde. C'est vous qui allez de manière pointilleuse, parfaite, éclairer le monde. »
Donc, on voit que il y a un appel en nous de haut degré d'expertise. On est là dans le monde pour briller de la présence du Christ. D'ailleurs, ce qui nous caractérise, et on en arrive à la question de l'identité, c'est le Christ en nous. Christ en nous. Bien sûr, nous sommes des vases d'argile. Certes, des créatures merveilleuses, des vases d'argile, faits de terre, de poussière, mais le trésor est en nous. Paul n'a pas peur de dire aux Colossiens, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Mais cette gloire, elle commence maintenant. Et on a vraiment une mission tellement importante. On a du potentiel. Et dans toute cette étude du Cap 25, je nous parle de notre potentiel. On a parlé du potentiel relationnel. Notre potentiel lié aux nouvelles valeurs, les valeurs du royaume de Dieu qui sont en nous, ces valeurs exponentielles. On a des habitudes de vie, un style de vie qui vient directement d'en haut et qui peut impacter notre monde. Et puis, on est à la question de notre identité, de notre identité. Christ en nous nous rend tout à fait capable d'accomplir des œuvres puissantes, des paroles puissantes, des œuvres qui vont être tellement chargées spirituellement. Jésus allait, faisait du bien, il rétablissait, il restaurait. L'onction de Dieu était sur lui, l'onction de Dieu est pour nous. Alors, la semaine passée, lors du dimanche de Pâques, je disais que la vie spirituelle, elle ne peut pas bien fonctionner s'il n'y a pas la joie de Dieu. Je pourrais encore dire la même chose avec notre sujet. Notre vie spirituelle, notre rendement, notre expertise, notre regard d'expert spirituel, nos œuvres spirituelles fortes ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas derrière tout cela une vraie identité en Christ. Si je ne sais pas qui je suis en lui. On est donc là au cœur de la vie chrétienne, au cœur de notre nature, de notre essence de chrétien. Et je vais centrer la suite de mon propos autour de cette réalité ultime. Il y a plusieurs images qui sont utilisées pour parler de l'Église. Mais il y en a une qui n'est pas une image, qui est une réalité, qui va condenser tout ce qu'on peut dire au niveau de notre identité. Nous sommes devenus l'épouse de Jésus-Christ. La création commence par un mariage, elle se termine par un mariage, parce que le projet de Dieu, c'est de donner à son Fils une épouse. Alors, j'aimerais nous dire que l'épouse que le Père va donner à son Fils, elle n'est pas médiocre. Elle est belle. Elle est en train de devenir belle, elle est glorieuse. Quand Jean la voit, il utilise toute une série de pierres précieuses pour la décrire. Notre identité en tant qu'épouse. Alors, on n'est pas là pour flatter l'ego. On lit parfois la littérature évangélique qui donne tellement l'impression pour bien nous sentir dans notre peau. Voilà ce qui est dit de nous. Ce n'est pas du tout cela. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Il nous a prises à son bras. Il nous a fait égal de rang. Il y a une destinée avec lui. On a donc besoin de comprendre qui nous sommes pour entrer dans notre véritable vocation. L'épouse de Jésus-Christ, c'est donc la clé de notre identité, la clé de notre mission. On avait terminé la dernière étude sur le sujet en parlant de nos besoins. Je crois que le fait de se comprendre comme épouse de Jésus-Christ va nous permettre de comprendre comment Dieu répond à nos besoins. Vous savez, c'est intéressant de voir que quand Dieu crée l'être humain, alors il dit que c'est très bon, que c'est parfait. Et pourtant, l'être humain est un être qui éprouve des besoins. Non seulement en nourriture, besoin d'abri, mais en même temps, des besoins d'ordre psychologique et spirituel. On en a parlé ensemble. J'aimerais nous dire que, réécouter peut-être ce qui a été enseigné sur le sujet, que parce que nous sommes épouses de Jésus-Christ, tous nos besoins, on les a mentionnés, on a besoin d'amour et d'acceptation, on a besoin de signifiance, d'identité, on a besoin de compétences et de réussite. Le fait d'être épouse de Jésus-Christ, celle qui va partager son éternité glorieuse, répond à tous ses besoins.
parce que je suis, parce que nous sommes épouses de Jésus-Christ, nous sommes vraiment aimés et vraiment acceptés, indépendamment de ce qu'on aurait pu faire, de ce qu'on peut faire. Son amour pour nous est un amour total, agapé, déterminé. Je n'ai pas à aller chercher à gauche et à droite, parce que nous sommes aimés du Christ. Notre réservoir, notre besoin d'amour, d'acceptation est vraiment satisfait, rempli. Notre besoin de signifiance et d'identité. On est l'épouse, mais la Bible dit aussi que nous sommes devenus le corps. D'ailleurs, les deux deviendront une seule chair. Paul dit que celui qui s'unit au Christ devient un seul esprit. Parce que je suis membre du corps de Christ, comme il règne, il est dit que Paul dit qu'il siège au-dessus de toute autorité, parce que nous sommes l'épouse, nous trouvons donc toute notre signifiance, nous participons à son règne, nous pouvons accomplir des choses qui manifestent son règne. En même temps, parce qu'on est épouse, Dieu a créé le besoin de compétences et de réussite. On a besoin d'accomplir des œuvres qui donnent du sens à nos vies. Un peu de vacances, c'est super. Mais on a besoin d'accomplir, de s'accomplir à travers une carrière. Parce que nous sommes épouses de Jésus-Christ, parce que son esprit est en nous, il nous donne de participer à une œuvre éternelle. Il nous qualifie par des dons, par des fruits, il nous donne du temps, des occasions, des ressources qui nous permettent d'accomplir la volonté de Dieu. Ce qui signifie que nos besoins en Jésus-Christ, besoin de valeur, d'identité, notre identité, elle est vraiment satisfaite, épanouie. Je n'ai pas besoin de chercher chez les gens, dans des choses, dans des circonstances, à satisfaire mon identité. Tout ce qu'on va m'offrir sera tellement insuffisant et instable, et je vais être déçu. La chair ne peut pas satisfaire mes besoins. Elle peut me donner l'impression momentanément de sécurité et de signifiance. Croyons vraiment que, même dans une période comme celle-ci, si beaucoup de choses nous sont ôtées, je ne minimise pas le fait que d'être rejeté, d'être confiné, d'avoir des ruptures de relations, connaître l'échec, le rejet, sont des choses qui font souffrir. Mais cela ne touche pas mon identité. Elles ne peuvent pas m'anéantir. Croyons, même si tous les appuis terrestres nous sont ôtés, que notre image personnelle, notre identité, elle est complète en Jésus-Christ, dans l'absolu, quelles que soient les circonstances, nous sommes aimés. Nous sommes vraiment aimés. Nous sommes importants et compétents en Jésus-Christ en tant qu'épouse. Alors peut-être vous pourriez vous dire, mais comment ça se fait que tellement de croyants agissent comme les non-croyants pour essayer de trouver leur sécurité, le sens à leur vie et la réussite? Je crois que la réponse est simple, c'est que nous sommes confrontés à trois ennemis qui s'opposent à notre marche victorieuse, qui s'opposent à notre marche en tant qu'épouse, à notre marche par l'esprit, notre chair, notre ancienne manière de vivre, le monde et le diable. Je dis juste quelques mots sur le sujet. La Bible parle de ma chair, ma vitalité, mes forces naturelles sans Dieu, ce que la Bible appelle aussi la puissance ou la loi du péché en moi, essaye de freiner ma vie avec Dieu. Bien sûr qu'à la conversion, j'ai reçu un esprit nouveau, mais je continue à vivre dans mon corps, avec ses besoins et ses appétits physiques et psychologiques. Ma personnalité, mon âme, n'ont pas été transformés instantanément, et j'ai gardé des habitudes, des attitudes, des valeurs, des façons d'agir que j'avais acquises autrefois. Elles n'ont pas été éradiquées et elles continuent à faire surface. Il y a comme des mécanismes en moi, mentaux, émotionnels, volitifs, qui doivent progressivement apprendre à se conformer à la nouvelle nature qui est en moi. Et on comprend que cette transformation, elle va prendre du temps. Et elle va dépendre de ma volonté, de mon engagement spirituel et de l'action du Saint-Esprit. Mais nous avons été,
comme programmés, habitués à imaginer que notre identité, elle dépendait de nous ou des autres, plutôt que de Dieu. Et cette programmation, elle est aussi le fruit du deuxième agent qui lutte contre ma vie spirituelle, le monde, c'est-à-dire une culture qui s'oppose aux valeurs de Dieu, une culture qui vante les valeurs et les perspectives tellement opposées à la parole de Dieu. Et parfois, nos circonstances nous semblent tellement réelles qu'on en oublierait que nous sommes, que notre identité, elle est en Jésus-Christ. Les circonstances nous semblent tellement réelles que même si l'Écriture nous dit on est des gens de passage, on est des voyageurs, que notre cité est dans les cieux, on a tellement l'impression que notre réalité, c'est l'ici-bas. C'est l'aujourd'hui, c'est maintenant. C'est cette philosophie qui nous détermine. Or, c'est pas vrai. On a besoin de déprogrammer notre intelligence et la programmer par la vérité de l'Écriture et nous laisser influencer par la culture d'en haut. Sinon, on sera pris dans l'hédonisme et le matérialisme. Et puis, il y a le troisième acteur qui cherche à nuire à notre vie spirituelle, le diable et son armée, qui vont se servir du monde et de notre chair pour essayer de paralyser la vie chrétienne. Alors, ce n'est pas qu'il a une prise directe en moi, mais dans la mesure où ma chair alimente mes pensées, si j'adopte la philosophie du monde, alors j'ouvre des portes. Et il va chercher à étouffer ma vie en Christ. Alors, ces trois agents, ces trois facteurs vont s'unir pour mener une guerre implacable contre ma vie chrétienne et contre mon identité. Je voudrais vraiment qu'on prenne conscience que nous sommes confrontés à une guerre sans merci. J'ai pris l'habitude, après les décès tragiques dans ma propre famille, aller régulièrement, pendant l'année, sur la tombe des membres de ma famille, premièrement pour me rappeler cette guerre sans merci contre le péché, contre la culture ambiante, contre le danger du laisser-aller. On est vraiment tous inclus dans une lutte sans merci. Et il importe que nous adoptions les justes positions, la perspective éternelle plutôt qu'une des perspectives temporelles. Là, je voudrais nous emmener ce matin, c'est comment allons-nous réagir au plan que Dieu nous propose pour répondre à notre identité. On pourrait dire, ok, voilà, je reçois toutes ces choses, hein, on a parlé du plan de Dieu, de notre nature, ce que Dieu a implanté en nous, les besoins qu'il a créés en nous, comment il les répond en Jésus-Christ, dans notre statut d'épouse. Ok, mais peut-être tu te dis, ça m'a l'air fort théorique. Je voudrais donc, avec le temps qu'il me reste, nous aider à nous approprier. Comment bien réagir à ce que Dieu nous offre? Comment vivre pleinement ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ? Et c'est là que j'aimerais pouvoir ouvrir notre Bible dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6. Il y a un texte vraiment intéressant où l'apôtre Paul décrit, à la manière de Paul, c'est un texte très riche, vous pourrez lire plusieurs fois chez vous, il va nous donner un triple mécanisme pour nous permettre quelque part d'enfiler la robe et de vivre comme l'épouse. De vraiment comprendre que nous sommes devenus un avec le Christ et que nous pouvons vivre en nous considérant vraiment comme disciples du Christ, l'Église de Jésus-Christ. Hein, Paul dit, la maison de Dieu, pilier, hein, vivre comme des colonnes. C'est aussi repris par Jean. Dans les lettres Apocalypse, Jésus dit, au vainqueur, je ferai de des piliers dans mon temple. On a vraiment besoin de développer cette ossature de colonne et vivre en fonction de cette réalité. Donc, j'aimerais voir, je vais les décrire, trois phases qui partent vraiment de l'intérieur. Il va parler du fait de connaître ce que nous sommes devenus, de nous l'approprier et de nous considérer. Romains chapitre 6, à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. Romains 6, verset 3 et
Je vous invite à prendre ce texte sous les yeux. Je voudrais rapidement le commenter. Il dira ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Alors, des textes comme seul Paul en a le secret. Comment réagir à ce que, pas ce que Dieu nous propose, ce que Dieu a fait de nous? Quelle doit être notre participation? Comment, on voit que la vie chrétienne, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est part de Dieu, part énorme, presque totale, globale. Il ouvre la mer, il n'y a plus qu'à passer, il ouvre le jardin, le Jourdain. Et il n'y a plus qu'à passer. On tourne autour de Jéricho et les murailles s'écroulent. Mais il faudra quand même, après, conquérir. Qu'est-ce qu'on a à faire? 1. Connaître. Ignorez-vous, dit Paul. À chaque fois qu'il dit ça, il dit à plusieurs reprises dans ses lettres, ignorez-vous, il faut vraiment que nos antennes spirituelles sortent. Souvent, je pense à ça. Je me dis, il y a 3 grands dangers qui guettent le peuple de Dieu. L'ignorance, l'oubli et la négligence. L'ignorance. Je ne sais pas. Alors que c'est dit, c'est redit, je dois le savoir et j'ignore. Comme si Israël devait passer du temps dans les plaines de Moab à construire des radeaux, à construire un pont. Ils ignorent que Dieu est capable. Ou on oublie. On l'a vaguement entendu, et comme c'est pas nourri, on oublie. Israël vient d'être bénéfice de l'action de Dieu. Il vient d'ouvrir la mer. Il vient de voir les fléaux s'abattre. Il s'imagine qu'en plein désert, Dieu a oublié qu'il a besoin d'eau. Ils oublient. Pire, la négligence. La négligence, l'indolence. On néglige les plans de Dieu. On méprise. Ils ont méprisé, ils ont négligé la manne. Ok, c'était peut-être pas facile de manger tous les jours, mais ils ont pris ça avec négligence. Ça guette nos vies, ça guette notre identité. J'ai besoin de connaître, de ne pas oublier. Souvent, les chrétiens sont amnésiques au niveau spirituel. On ignore, on oublie qui nous sommes en Jésus-Christ. On a préparé quelques mariages à la maison, il y en a d'autres qui arrivent. Je vous assure que les jours qui précédaient
On n'oubliait pas, on n'ignorait pas. La nuit qui précédait, on ne dormait pas. Parce qu'on savait, on connaissait ce qui allait arriver, la merveille de cette journée. Et trop souvent, l'image que nous avons de nous-mêmes, elle va s'abreuver à la mauvaise source. Nous ignorons. J'aime cet épisode et je voudrais m'en inspirer. Jésus, dans Luc 9, ça revient pratiquement dans chaque évangile, qu'est-ce qu'on dit de moi? Il pose, il rassemble les apôtres, et qu'est-ce qu'on dit de moi? Puis qu'est-ce que vous pensez de moi? Puis ben, moi, je vais vous dire qui je suis. Posons-nous la question, trois questions fondamentales. Qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que les autres disent de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Or, très souvent, nous construisons notre identité sur les deux premiers. Qu'est-ce que les autres disent de moi? C'est tellement important. Et qu'est-ce que moi je dis de moi? Mais si je me définis à partir des autres et de moi-même, inévitablement, je vais y apporter des réponses, des conclusions qui ne sont pas bibliques. Et je vais construire ma vie de manière erronée. Mes sentiments d'estime personnelle vont se construire sur ce que les autres disent de moi. Mais en tant qu'épouse de Jésus-Christ, je dois me voir dans le regard fou, fou de Jésus qui aime son épouse, qui réveille l'amour, qui dit dans le Cantique des Cantiques que tu es belle, ma bien-aimée, tes cheveux, ton cou, tout y passe tellement il est amoureux. Je dois me définir en fonction, non pas de ce que les gens disent, mais de ce que Dieu dit de moi. Il affirme m'aimer d'une manière inconditionnelle. Il dit qu'il m'accepte sans tenir compte de ce que j'ai fait, de ce que je fais maintenant, de ce que je ferai. Au moment marqué, dit Paul, Dieu prouve son amour, alors que nous étions encore une épouse tellement moche. Christ est mort pour nous. Dans ce texte, il dit que nous sommes devenus une même plante par la conformité à sa mort et la conformité à sa résurrection. Souvent, on entend dans un moment de prière les chrétiens qui louent Dieu, qui remercient parce que le Christ est mort pour nous. Vrai. Mais nous oublions que nous sommes morts avec lui. Qu'on est ressuscité avec lui. Que notre esclavage du péché, de la mort, de toute cette laideur a été absorbé dans le Christ et que sa vie maintenant est en nous, même si je ne le sens pas. Je ne dois pas me définir en fonction de mon ressenti, de raisonnement basé sur mes performances ou mes échecs ou mes manquements. Ce n'est pas le rejet des uns et des autres qui vont me dire, qui vont menacer ma sécurité et ma signifiance. Je dois savoir, je dois connaître que ma position en Christ, elle est acquise. Et mon comportement va toujours découler de ma croyance. Avec le temps, mon comportement va découler de ma croyance. Ce que je crois va déterminer ce que je fais. Alors, c'est vrai que dans l'absolu, le comportement reflète ce que je crois. Et parfois, mon comportement ne montre pas qui je suis, ce que je crois être. Mais mon identité, elle découle de ma nouvelle naissance en Jésus-Christ. Il nous a rendus justes, sa vie est la nôtre. J'ai besoin d'une telle compréhension du salut. Regardez comment est construit l'Épître aux Romains. 1 à 5, la compréhension du salut, et puis de 5 à 8, la progression dans la sanctification. C'est parce que je sais, je connais qui je suis, que je peux servir. Comment s'approprier? Comment mettre, endosser cette robe, ces habits de noces? Et vous voyez cette parabole où les invités sont là, il y en a un qui ne s'est pas habillé. L'Église doit être habillée des vêtements de noces, pas par orgueil, par outrecuidance, mais parce que je ne pourrais pas servir Dieu autrement. Je ne pourrais pas être un ambassadeur de Jésus-Christ si je ne suis pas habillé, revêtu. Je dois connaître. Je dois connaître. Et je comprends pourquoi la parole prophétique pour notre le moment que nous vivons pour l'instant, c'est reviens la parole. Il faut que je connaisse, il faut que je m'imprègne de ce que Dieu dit. Premièrement, connaître. Deuxièmement, dans ce texte, Paul va parler du besoin de nous approprier, se considérer. Versets 6 et verset 11.
De la même manière, vous aussi, de la même manière, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Considérez, il vient de parler de notre assimilation, on était assimilés dans sa mort, on était baptisés avec lui dans la mort, on était assimilés avec lui dans la résurrection, et maintenant il faut que je passe de la connaissance à l'appropriation. Il faut vraiment que je sache, que je puisse me revêtir, une image si souvent utilisée dans l'Écriture. Je me suis dévêtu de mon vieil homme et j'ai besoin de me revêtir de ma nouvelle identité. Ça ne suffit pas d'apprendre des choses. Ça ne suffit pas d'apprendre ce qui est vrai. Il faut maintenant que j'apprenne à vivre en conséquence. Que j'apprenne à vivre dans le vrai. Quand je commence à vivre dans la foi de ce qui est vrai, je peux m'emparer de la terre promise. Quand Israël a mis sa foi en Dieu, ils ont pu conquérir. Et c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Empressez-vous, empresse-toi non seulement de savoir, mais d'apprendre à vivre en fonction d'eux. Empare-toi de la vérité. » Même si on ne l'a pas encore expérimenté pleinement, même si les apparences semblent contraires. Et c'est pour ça qu'ils ont dû tourner pendant 40 ans. Les espions sont revenus en disant « Ouais, mais non, tout est opposé. » Ils avaient entendu les promesses de Dieu. « Je vais vous donner cette terre, une terre sur laquelle j'ai toujours mon regard. Les saisons, ils sont fertiles. » Ils savaient, mais ils n'ont pas cru. Ils ne se sont pas appropriés, ils ne se sont pas promenés en Canaan, ils disent waouh, ça c'est chez moi, ça c'est pour nous. Ils étaient là comme des étrangers. Ils ne se sont pas appropriés. Alors, je sais que il y a quelque chose qui nous colle à la peau, comme si nous ne méritions pas. C'est vrai qu'on ne mérite pas, ça nous est offert. Donc, j'ai envie de dire que l'appropriation, ce n'est ni naturel, ni facile. C'est vrai. Je crois qu'au fin fond de l'éternité, on va encore de temps en temps se dire « Mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Où est-ce qu'on paye ?» Je crois que beaucoup de personnes refusent l'Évangile parce qu'ils veulent payer. Il y a quelque chose en nous qui résiste à l'offre gratuite, à la grâce. Et peut-être, quand tu entends toutes ces choses, tu dis « Oui, mais ça c'est bien pour mon voisin. » Mais je ne peux pas m'approprier ce statut en Jésus-Christ. Je crois que très souvent, Dieu est obligé de nous laisser aller au bout de nos ressources pour qu'on puisse capituler et dire « Seigneur, j'ai essayé de vivre la vie chrétienne avec mes moyens, mes ressources. Mais maintenant, je réalise que ça ne fonctionne pas. » Un peu comme avec Abraham. Alors, ok, il a entendu la vérité de Dieu. Dieu lui a répété. Il avait de la peine à mettre sa foi, à s'approprier qu'il allait devenir le père des nations. Et c'est pourquoi c'était la débrouille. Ok, viens Agar. Il a fallu qu'il aille au bout de ses ressources et capituler devant Dieu. Presque 100 ans, dire ok Seigneur, j'accepte, ça ne sera pas Eliezer de Damas. Fais ce que tu veux, c'est-à-dire avec ma femme qui ne peut plus mettre au monde. Et je crois que pour nous approprier, on doit parfois, Dieu est obligé de nous amener au bout de nos ressources pour dire, écoute, cette robe d'épouse, ce mandat, cette nature-là, elle n'est pas en toi. C'est moi qui te l'offre. Prends-la et commence à jouir de ce statut. Je crois qu'un des grands... Nos grands problèmes, c'est que souvent on aborde la vie spirituelle de manière tellement académique et théorique. Ça m'ennuie quand... Alors bien sûr qu'il y a place pour l'enseignement, mais ça m'ennuie de voir parfois le chrétien sauter d'un enseignement à un autre, d'une conférence, d'une capsule à une autre, et ça reste tellement théorique. La vie chrétienne, c'est pas seulement s'informer. Oui, j'ai besoin de connaître et de bien connaître. Mais c'est d'abord, et c'est ensuite, une transformation. Et si ça ne me transforme pas, il faut que je m'arrête. 1000 fois des chrétiens qui connaissent quelques vérités, mais qui se laissent transformer, que des gens qui ont une grosse tête. Les pharisiens connaissaient tellement de choses. Ils ont laissé passer le Messie.
La vie chrétienne, ce n'est pas d'abord quelque chose d'académique et de théorique. Bien sûr, il faut que nous connaissions, mais en vue d'une transformation. Nous sommes réellement devenus des nouvelles créatures. Tu es vraiment devenu une nouvelle créature, même si notre tente extérieure dépérit, s'abîme. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Nous appartenons à une nouvelle espèce, même si ça ne se voit pas physiquement. Mais quelque part, cette lumière va transformer ton regard, tes paroles, ton comportement. Il y a une nouvelle hérédité en nous. Celle en Adam était crucifiée. On est devenus des citoyens du ciel. Tout ne s'arrête pas pour nous à cette pandémie. Et même si je devais mourir, je rentre chez moi dans la gloire. La vie éternelle, c'est la vie du Christ en nous. La bague a déjà été mise et tu l'as reçue à la nouvelle naissance. Le Christ n'est pas seulement à côté de toi, il est en toi et il veut manifester sa vie de manière experte. Et c'est ça dont notre société a besoin, à côté de tous les autres experts, très certainement. Le Nouveau Testament va plus loin. Nous sommes en lui. On occupe une position de victoire en Christ. Les Épîtres ne m'encouragent pas à ressentir cette vérité, mais à faire confiance en Dieu et à l'honorer en acceptant ces choses. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Jésus disait à plusieurs églises de l'Apocalypse, « Je sais que vous êtes faibles. » Vous savez, pauvre, mais moi je vous aime. Je sais qu'au milieu de vous est la synagogue de Satan, mais persévère parce qu'elle était l'épouse de Jésus-Christ. Je crois que c'est pour nous l'occasion d'honorer les promesses et la nature de Dieu. Je crois ce qu'il dit. Ça n'a rien à voir avec la passivité spirituelle, pas du tout. Il y a là une succession de décisions remplies d'énergie où je prends position et je crois. C'est pas non plus une perfection morale, pas du tout. Pas du tout, mais une croissance progressive dans un contexte de guerre spirituelle. Je crois, je vais terminer, je m'approprie, et Paul va plus loin, je me livre, je m'abandonne, je m'offre moi-même, je commence à vivre ce que je suis devenu. Que le péché ne règne plus, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu. Une fois que je connais la vérité concernant mon assimilation à Jésus-Christ, concernant, hein, Paul dit, je vous ai fiancé, un seul époux, quand je sais, quand nous concevons l'Église comme une terre chérie, un peuple chéri, parlons bien de l'Église, malgré ses faiblesses, malgré les étapes de progression. Jésus la voit comme sa chérie, comme sa bien-aimée. Une fois que j'ai reconnu la vérité, que je la crois par la foi, il va maintenant importer que j'apprenne à vivre en fonction de cela, que j'agisse de manière conséquente, en m'offrant, en m'abandonnant à Dieu comme une créature nouvelle. Plus mon intelligence va être renouvelée par la vérité, plus je vais m'enraciner dans les vérités de l'Écriture, plus ma façon de raisonner va changer et plus je vais vivre en fonction de ce que je suis. C'est pourquoi l'Écriture nous dit « Apprends-leur à exceller dans les œuvres bonnes. » On doit être excellent dans ce que nous faisons. Et bien sûr, il y a place pour une progression. Mais on doit être excellent dans notre témoignage, dans les œuvres bonnes. Parce que je sais, parce que je crois, parce que je m'enracine dans la vérité et que je commence à raisonner en termes d'épouse. Je peux, comme dit Paul, me présenter à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Parce que je sais, parce que je crois ce que je suis devenu en Jésus-Christ. Paul dira un peu plus loin, offrez vos corps à Dieu comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Pas comme des misérables, pas pour mériter quoi que ce soit, mais en tant qu'épouse, en tant qu'époux. J'ai envie de m'offrir à l'autre, imparfaitement, mais complètement, j'ai envie qu'elle soit
heureux, heureuse. Hier, on faisait le bilan avec Laurence de cette première phase de confinement et modestement, en étant imparfait, on se disait, mais on a bien réussi ce test. On s'entend tellement bien. C'est bon de vivre ensemble. Bien sûr, les enfants manquent, l'église manque, mais c'est bon de se retrouver et de vivre ensemble. On peut se présenter comme un peuple que Dieu a acquis, une bien-aimée sur qui il déploie l'étendard de son amour. Et se dire sur terre, là où nous sommes, on sert Dieu, on sert notre époux. On a envie de parler notre époux. On a envie de dire aux autres ce qu'il a fait pour que la salle des invités soit remplie. Si tu veux vraiment que ta vie spirituelle s'épanouisse, il faut que ce triple mouvement qui consiste à connaître la vérité, te l'approprier et en tirer les conséquences pratiques, deviennent vraiment une habitude quotidienne. Imagine un peu que tu vas chez ton cardiologue, même si pour l'instant c'est difficile d'avoir des rendez-vous, tu n'as jamais fait de sport et il te dit, mais tu sais, quand je vois le bilan de santé, tu es un athlète, un professionnel, tu dois faire du marathon. Tu dis, mais j'ai jamais couru, mais c'est ce que tu es. Alors tu peux le savoir et rien faire. Ou tu peux le savoir et tu vas acheter des baskets, tu vas acheter tout l'équipement, mais ça ne suffit pas. Ok, tu vas mettre ces vêtements, mais il faut que tu te considères et que tu vives comme un athlète. Alors le début sera difficile, parce que tu vas rentrer chez toi après 500 mètres, tu as mal partout, le lendemain des courbatures, mais la semaine d'après, si tu persévères, ce sera 1 km. Un mois après, on va te voir courir au parc de Monceau des kilomètres et puis tu iras à New York et tu vas être performant et puis tu iras au JO parce que tu auras cru, tu te seras approprié et tu vas vivre comme un athlète et ça va façonner ta vie. Tu ne vas plus manger de la même manière, tu vas avoir une hygiène de vie, tu vas vivre avec cette mentalité d'athlète. Quand nous répondons à la vérité par une action obéissante, je mets en route un processus de réciprocité. Mes attitudes vont influencer mon comportement et plus mon comportement s'installe, plus ça va renforcer mes pensées. Notre foi, elle se développe dans l'action. Paul était conscient que là où il implantait des églises, il dit, j'ai plus rien à faire par là, parce que eux allaient continuer le travail. Ils allaient savoir, ils allaient s'approprier, ils allaient vivre comme l'épouse de Jésus-Christ. Ils étaient compétents, mais leurs œuvres allaient manifester qui ils étaient. Alors, on termine ce point sur l'identité. Quel potentiel il nous a été donné. Non pas pour enfouir cela. Connaissez cette parabole où le maître confie des fortes sommes pendant son absence. Et la véritable épouse, elle ne va pas thésauriser. Elle va être fidèle. Elle va partager. Elle va faire du bien. Soyons attentifs à tout ce que Dieu nous demande de faire pour lui. La vie spirituelle, c'est le Christ en nous. La bague est mise. Je vous rappelle cette parole prophétique adressée à son Église. Tout est prêt au ciel. Tout est prêt. Il y a des gens qui souffrent parce que pour l'instant, leurs mariages sont reportés. C'est difficile. Le père ne va pas reporter le mariage de son fils. Tout est prêt. Il lui tarde de lui donner sa fiancée. En attendant, si aujourd'hui il nous donne encore l'occasion, soyons forts dans notre identité, non pas pour pavoiser, mais pour le servir. La vie spirituelle, c'est le Christ en nous. La vie du Christ réside en nous. Il vient pour régner, il vient pour que sa volonté se fasse. Soyons donc les uns les autres bénis, encouragés, fortifiés dans ces moments. Que nous, même si nous ne sommes pas invités à la table des experts, que notre vie manifeste un haut degré d'expertise, de potentiel, qu'il soit évident que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Quand il voyait Jésus, il devait dire, mais il se disait, un prophète est là. Le doigt de Dieu, la main de Dieu. Il faut que l'Église, à travers l'Église, que notre région, et là où tu es, il puisse dire,
Dieu est avec vous. Parlez-nous de ce Dieu. Dites-nous comment être réconcilié. Dites-nous comment il peut vivre en nous. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu ne veux pas simplement remplir nos têtes. Tu veux remplir nos corps, nos cœurs, tout notre être pour ta gloire. Donne-nous de nous imprégner, de nous enraciner de la vérité pour te servir de manière glorieuse, aimante, juste, puissante, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt, épouse de Jésus-Christ. Et établit la terre.
Il est mort.